Hello, bonjour tout le monde, c'est Geek Gamer Guy pour Retro Value et aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve sur le jeu Soul Fighter. En fait, le vrai problème du jeu, c'est son gameplay. Et lorsque je parle du gameplay comme étant le principal problème de ce jeu, ça concerne non seulement le gameplay, c'est-à-dire la réactivité du personnage, mais aussi la caméra qui n'en fait vraiment qu'à sa tête, elle n'est jamais foutue de se positionner convenablement. Alors regardez le ciel dehors. C'est vraiment horrible, le changement atmosphérique c'est n'importe quoi. Finalement on sait pas si c'est le jour ou la nuit, ça reste un titre exclusif à la Dreamcast. Enfin, bon, exclusif, il faut le dire vite fait et s'envoyer deux lignes de coke derrière. Parce que bon, Soul Fighter, le titre en lui-même, effectivement on va pas le trouver référencé sur une autre console, mais ce jeu ressemble beaucoup à un jeu PS1 qui s'appelle Legend, mais on sent bien que ce Soul Fighter, c'est directement le remake, cette fois-ci avec un gameplay 3D et une caméra qui suit fort mal l'action, le remake du remake de Legend sur PlayStation 1. Welcome to Legend. Eh bien bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, et oui aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le jeu Legend sur PlayStation 1, simplement 1 comme dirait Barbie Chétif, qui est un peu l'ancêtre du jeu que je vous ai testé la dernière fois, Soul Fighter. Donc je parle de Legend, hein, je parle pas de Barbie Chétif. Tout comme dans Soul Fighter, on choisit son personnage parmi deux mecs et une gonzesse. Mais ce ne sont pas les mêmes personnages que dans Soul Fighter, ici ils sont différents, ils ont d'autres noms. Ceci dit, on sent très bien que ce Legend appartient au même univers que Soul Fighter, puisque Soul Fighter c'est un peu le remake de ce jeu, avec un monde plus ouvert, où on peut un peu plus explorer. C'est un peu ce jeu au moins linéaire, et on retrouve exactement les mêmes musiques, les mêmes bruitages, les mêmes cris des personnages. Et pour les deux du fond là, qui n'auraient pas suivi depuis la dernière fois, je rappelle qu'à l'origine, Legend, c'est un beat'em all aventuresque sorti sur Super Nintendo en 1993. Il a été développé par Arcade Zone, qui est en quelque sorte le grand frère de l'équipe Tekka qui a réalisé ce remake en 3D sur PS1 5 ans plus tard, et qui a également réalisé Soul Fighter sur Dreamcast, bien sûr. Ce Legend sur PlayStation 1 est considéré comme l'un des premiers jeux de la console à avoir utilisé la technique de la motion capture pour l'animation des protagonistes. Et dans Soul Fighter, vous vous rappelez, j'avais parlé un peu de l'animation en disant qu'elle était pas mal détaillée, mais j'avais également relevé le fait que finalement les mouvements sortaient assez lentement, l'animation était certes détaillée, mais ça ne rendait pas le jeu très dynamique. Eh bien on a un peu le même problème ici avec ce Legend. Les déplacements de mon personnage sont bien longs, bon en même temps c'est pas un personnage forcément très rapide. Je peux marcher un peu plus vite, hein, j'appelle même pas ça courir, je peux marcher plus vite en faisant une double pression dans une même direction. Et justement le but c'est de distancer les ennemis pour les affronter les uns après les autres, parce que tous ensemble c'est le gros bordel. Et des fois c'est juste le gros bordel même quand il n'y a pas grand chose à l'écran. Comme là, je me suis pris un coffre sur la gueule, hein, ça fait toujours plaisir. J'ai tout de même relevé un point positif, c'est que ce jeu n'est sorti qu'en Europe et en Australie, édité par Funsoft. Et c'est THQ qui aurait dû éditer la version américaine, sous le titre Knights of Carnage, mais cela ne s'est finalement pas fait, et c'est tant mieux. Hein. Tant mieux pour l'Amérique, elle avait vraiment pas besoin de ce jeu, surtout 3 ans plus tard, elle allait encore se prendre les attentats du 11 septembre. Donc voilà, finalement c'était ça la bonne nouvelle, c'est que, à part l'Europe et l'Australie, le reste du monde a été épargné par ce jeu. Ouais, je sais, c'est pas terrible comme point positif, mais qu'est-ce que vous voulez, j'essaye de trouver ce que je peux. Et vu que les niveaux sont plutôt longs et relativement linéaires, j'ai décidé de vous couper quelques passages au montage, histoire de vous faire une vidéo un peu plus compacte. J'ai également coupé les temps de chargement, là on n'a pas encore terminé un niveau, on passe juste d'une zone à une autre,
On se tape un temps de chargement, mais ça va les temps de chargement, bien qu'ils soient présents, ils sont pas spécialement plus gênants que dans la plupart des jeux PlayStation 1. Sur PlayStation 1, on a l'habitude des temps de chargement, même sur les descendantes de la PlayStation 1. Alors vous avez peut-être vu sur le panneau, c'est marqué Fight or Die. Enfin là, vous le voyez plus, mais c'était marqué Fight or Die, combat ou crève. Et moi personnellement, en jouant à ce jeu, eh bien, j'ai fait les deux. Je suis venu, j'ai vu. J'ai mouru, et non pas j'ai vaincu, bah c'est le jeu qui m'a vaincu, enfin, vous verrez ça par la suite. Le jeu m'a vaincu, mais il ne m'a pas convaincu, et c'est bien là tout le problème. En même temps, c'est pas comme s'il n'avait que des défauts, ce Legend. Il a des qualités, bah, à commencer par l'animation, qui, comme je l'ai dit, a utilisé le procédé de la motion capture, même si aujourd'hui, effectivement, ça a vieilli au niveau de l'animation, et disons-le clairement, l'ensemble du jeu a vieilli. Mais c'est pas forcément un jeu hyper mal foutu sur le plan de la réalisation. Au fond, je vais un peu dire la même chose sur ce Legend que ce que j'ai dit sur Soul Fighter la dernière fois. Mais pas exactement la même chose, puisque souvenez-vous, dans Soul Fighter, les transitions climatiques étaient assez mal foutues, alors que là, la pluie qui arrive tout à coup, c'est plutôt bien fait, ça fait partie des points positifs. Et là, on a eu une petite réaction en chaîne sympa, revoyons-la au ralenti. Je balance le tonneau sur les deux ennemis du fond. Il y a l'autre ennemi qui se prend, je pense, le tonneau qui rebondit, je sais pas bien. Les deux se relèvent et ils se refont percuter une fois par l'épée qui sort du coffre, je suppose. Enfin, j'ai pas totalement compris ce qui s'est passé. C'était absolument pas prémédité, cette réaction en chaîne, mais c'était bien sympathique. Comme quoi, le gameplay peut tout de même offrir des situations sympathiques et intéressantes. On sent qu'il y avait un peu de substance derrière, que ça a été étudié. Mais le résultat n'est pas parfait. Et malgré ce gameplay rigide et dirigiste, le jeu offre des possibilités de combos insoupçonnées, dont je ne vous ferai pas profiter ici, étant donné que je me suis contenté, lorsque j'ai lu la notice, le mode d'emploi, je me suis contenté juste de voir les commandes basiques, hein. C'est limite si je me suis pas torché le cul avec cette notice, et j'ai pas pris connaissance des commandes spéciales, qui servent à utiliser la magie, à réaliser des combos, et qui requièrent l'utilisation simultanée des touches R1 et R2, accompagné de différentes combinaisons de boutons dont on ne se souviendra pas forcément une fois plongé dans le feu de l'action. Et comme je savais pas comment me servir de la magie et réaliser des combos, et qu'en plus c'est pas du tout intuitif, eh bien je me suis contenté des coups de base, mais j'ai également porté à mes ennemis des coups plus puissants, alors pour cela c'est très simple, il suffit de maintenir enfoncé la touche R2 et de donner des coups normalement, voilà, d'appuyer sur les boutons qui servent à frapper les méchants. Et ça occasionnera plus de dégâts. Par contre, ces coups-là mettront un peu plus de temps à sortir. Déjà que le personnage n'est pas forcément très rapide. Enfin bref, moi j'ai pas su utiliser les combos, j'ai pas su utiliser la magie. Mais je comprends maintenant pourquoi je récupérais des petites fioles magiques ici et là. Je comprends à quoi elles étaient censées servir. Mais voilà, j'aurais aimé que l'utilisation de la magie soit moins... Non, j'aurais aimé que l'utilisation de la magie fût moins prise de tête et plus intuitive. Et j'aurais également aimé que les touches L1 et L2 fussent mises à contribution. Le jeu n'utilise même pas toutes les touches de la manette. Et il vient nous emmerder avec des combinaisons de boutons. Non mais, c'est quoi ce bordel? Et puis là aussi, c'est quoi ce bordel? Cet ennemi, je peux pas m'en défaire. Je peux pas me relever, il me frappe à chaque fois. Je peux pas le frapper, je peux pas fuir, je peux rien faire. Mais c'est quoi ce bordel? Je me retrouve pris dans une spirale infernale. Bon, heureusement, c'est pas une spirale infinie. Même si c'est un petit peu le concept de la spirale, d'être infini. Non, là je finis quand même par crever. Et lorsque je ressuscite, j'ai ma petite vengeance parce qu'il s'en prend plein la gueule pendant une ou deux secondes. Et après ça recommence. Rien qu'au niveau des commandes de base, le gameplay n'est pas agréable. Dans la prise en main, il y a comme un temps de latence pour chacune des actions que doit effectuer le personnage. Et j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait tout bonnement pas se déplacer rapidement et en même temps frapper ses ennemis. On est obligé de les frapper en se déplaçant à la vitesse du pas ou en se tenant immobile. Et pour me sortir de cette situation, je suis obligé d'utiliser la garde avec la touche R1 quand ça veut bien fonctionner. Et encore, je ne peux même pas enchaîner plus de deux coups sur l'adversaire. Donc là, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Ah mais j'ai cru que j'allais y passer ma vie sur cet ennemi, ou plutôt que toutes mes vies allaient y passer. Et je vais encore devoir crever une ultime fois avant de pouvoir me débarrasser de cet ennemi vraiment casse-couille.
Je vais ressusciter et lui, il va trépasser. Bien fait pour sa sale gueule. Non, mais connard, tu t'es pris pour qui? Pour un boss ou pour un sous-boss? Enfin, c'est peut-être ce que tu étais, maintenant que j'y pense. Bon, allez, on va assister au game over. Autant faire les choses jusqu'au bout. Et vous allez voir que les développeurs, ils se sont bien fait plaisir. Ils se sont lâchés sur l'écran de game over. Déjà que je m'en suis pris plein la gueule pendant toute la deuxième moitié de ma partie. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais encore m'en prendre plein la gueule. Non mais laissez-moi tranquille, je suis mort, on laisse les morts reposer en paix. Enfin ok, peut-être que je suis juste en train d'agoniser et que vous décidez de me porter le coup de grâce pour m'achever. Le jeu décide de m'achever, hein. Le problème c'est qu'il a aussi achevé mon moral de joueur. Mais rassurez-vous, la provocation ne s'arrête pas ici, les développeurs ont eu la gentillesse de nous laisser un petit message à la fin pour nous dire « Merci d'avoir joué à Legend ». Nous, à Toka, espérons que vous avez passé un bon moment. Ouais, tu parles. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que non, j'ai pas passé un bon moment, je me suis fait latter la gueule. Voici l'équipe qui a rendu le jeu possible. Enfin, ils auraient dû plutôt mettre « Here is the staff that made it possible ». Voici l'équipe qui a fait son possible. Je n'ai vraiment pas l'intention de m'éterniser sur ce jeu, on va encore juste jeter un petit coup d'œil dans les options. On a le choix entre 3 niveaux de difficulté, 2 angles de caméra, classique ou arcade, et j'ai vraiment pas vu de différence. Je vais essayer de changer, vous allez voir, il n'y aura pas de différence. Ça par contre, ça changera un peu le gameplay, ça le rendra même moins jouable. Ça permet de viser l'ennemi automatiquement, là j'ai désactivé. Le son, on peut l'activer ou le désactiver, par défaut il était désactivé, étrangement. Et là, j'ai pris la gonzesse, qui serait plutôt un travesti, apparemment, non, parce qu'elle avait une voix bizarre. Bon, je pense pas que c'était censé être sa voix, elle. Donc là, vraiment, je ne note pas de différence par rapport à la caméra, juste une différence un peu par rapport au gameplay, même si c'est pas toujours flagrant. Mais effectivement, en désactivant le lock automatique des ennemis, ça rend la portée des coups moins facile. Mais en même temps, ça peut aussi rendre certaines situations moins bordéliques, en ce sens où lorsqu'on est entouré par plusieurs ennemis, on pourra faire face à celui que l'on désire, on ne sera pas automatiquement guidé vers l'un ou l'autre des ennemis. Mais globalement, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien d'activer ou de désactiver le lock automatique. Je pense que dans les deux cas, ce sera une question d'habitude. La caméra se rapproche, c'est peut-être ça la différence par rapport à l'autre mode de caméra. Enfin, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Ça reste un jeu très linéaire, certes en 3D, mais avec une progression similaire aux jeux qui ont une vue 2D. On avance dans un couloir de gauche à droite, quoi, c'est ça que je veux dire, même si le jeu est en 3D. Et vous aurez sans doute pu remarquer, et donc admirer, la sublime modélisation de notre héroïne, hein, lorsque la caméra s'est rapprochée. Non, je suis ironique, hein, y a rien à admirer. Le jeu a plutôt mal vieilli, et je pense même qu'à l'époque, il n'était pas forcément très joli. Bon, on est sur un jeu PlayStation 1, c'est vrai. Mais pour un jeu qui est sorti en 1998, je pense qu'on pouvait quand même se dire qu'à cette époque, il était possible de faire légèrement mieux que ce qu'on voit là. Donc ce n'est pas un jeu que je vous recommande, sauf si vous le trouvez vraiment à petit prix. Parce que fondamentalement, je pense qu'il y avait un certain potentiel derrière ce jeu, mais qu'au final, le résultat est franchement médiocre. D'ailleurs, il faut que je précise que pour les 3 dernières Retro Value, c'est-à-dire celle-ci, la précédente et la prochaine, je me suis retrouvé avec des jeux assez merdiques. Et ce Legend, de même que Soul Fighter, font presque office de bons jeux, comparé à celui que je vous montrerai dans la Retro Value qui suivra celle-ci. Après quoi, je pense refaire une série de vidéos sur les consoles Nintendo pendant quelques temps. Et je terminerai cette vidéo en vous disant merci pour votre fidélité et à bientôt si vous le voulez toujours bien.